Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue à Kolanda Ba Eloko Yoto Proposa Kayo chaque jour sur Congo Live Télévision. Je suis Youssoufou Kibingila David à cette présentation d'Enge Boyebi. Les autres me mêlent bino nini, les autres me mêlent bino. Bafé Oyezo le Kanakati à ville à Goma, des choses qui sont en train de se passer dans la ville de Goma, notamment il y a des grèves, il y a des manifestations. Et pour ce dernier, l'élo le 8 mars 2024, il y a deux jours ici, Ndetoloba qui photo Zela, Ezra l'élo le 8, donc Ezra qui lobby, c'est-à-dire Ezra qui hier dans la ville de Goma, où des mamans ont manifesté, des mamans ont pris le courage de dire que non, c'est assez. Oezo le Kanaka Tiamboka vraiment éco salimate. Yango, l'élo. Naza wanga personnellement nazala kiwana nazwa ki ba planyo so oyobozilingi botala soyez attentifs ba mama nyoso bozolanda biso de partout tout au monde na ba papa ba mama oyo de la diaspora bozala na vigilance na bino bomona oyo boyoka oyo ba mama mani ba bazo manifester na kati ya mboka o Balata ki basak, comme vous allez le voir dans la vidéo qui vient, balata ki basak, kolobakeno, eza ba elamba normal te, mais eza ba elamba oyo ya anormal koloba, souffrance eleki, o bazo mona eleki. Parmi elles, il y a les victimes de viol, vous allez le voir. Koza moko e bandaki koloba nae, azo relate fendenge ba viola kiye, ba buma ki mwana nae, ba viola ki bana nae, et puis elle s'est évanouie. Donc, bokuta langona makamboyo, nga moko personnellement nazaki sur le terrain. Nga moko na récolté ba donné yango tuye tout moni sa mokili mobimba oyezo le kanaka testa république mokili mobimba oyo ba mama ba déclarer les lo ke no balembi na bango bazala ki deux groupes moko ezala ki na bisika moko mosusu ekenda ki ti na monisco ko lo ba eke monisco il faut elongwa yango bakutana ki na chef de bureau adjoint ayamba ki bango ba exprimer oyo singla ki ba exprimer Bolanda na vidéo Oyezoya. On a une méga tapo. Thank you.
tunateseka sana. Tunabaki kwa kila siku. Tunabaki majane na mayatima. Kwa ajili ya dénoncer la recrudescence des violences au Nord Kivu par le M23/RDF. Ce mémorandum est adressé à son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, son Excellence. Nous les mamans du Nord Kivu venons auprès de votre personnalité pour vous faire part de notre forte indignation face à la recrudescence de la violence au Nord Kivu en raison des conflits armés et à la présence de plus de 200 groupes armés rebelles actifs dans le pays. Depuis près de 2 ans, plusieurs localités des territoires de Masisi, Rutshuru, Nyiragongo sont sous le contrôle de rebelles du M23, dont Bunagana, Kiwanja, Kibumba, Kichanga, Bambo, Kirolirwe, Bushanga, Mweso, Mushaki, Chacha et d'autres. Ces conflits armés occasionnent malheureusement des déplacements massifs des populations, des violations de droits humains, dont des massacres de populations, de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. La RDC compte aujourd'hui plus de 8 millions de déplacés internes. La province du Nord Kivu, à elle seule, a enregistré plus de 2,6 millions de déplacés internes, dont la majorité sont des femmes et des enfants. Au cours de l'année 2023, la division provinciale du genre du Nord Kivu a enregistré plus de 50 000 cas de violences basées sur le genre,
dont près de 25 000 cas de viol sur des femmes, parfois sur des petits-enfants. Un aussi grand nombre de déplacés internes dans notre propre pays est inimaginable et inacceptable. Dans les camps des déplacés, des femmes, des jeunes filles sont constamment exposées à des risques de violence basés sur le genre, dont des cas de viol, des agressions sexuelles, l'esclavage sexuel et bien d'autres. Les déplacés vivent dans des conditions inhumaines et dégradantes sans aucune assistance. Le manque d'eau potable les expose à des maladies d'origine hydrique, dont la diarrhée et le choléra. La surmilitarisation de la ville de Goma et la forte présence des hommes armés dans les sites des déplacés nous inquiètent et créent un climat d'insécurité pour des populations ayant fui les affrontements dans leur village. La ville de Goma aujourd'hui est asphyxiée et les quatre coins de la ville sont sous le contrôle de rebelles du M23, notamment Rutshuru et Masisi. L'enclavement de la ville occupée ou de la ville coupée des territoires principaux, greniers pour beaucoup de populations congolaises, a entraîné malheureusement la hausse des prix des denrées alimentaires, ce qui impacte malheureusement négativement le niveau de vie des populations. Le silence partout dans le monde qui entoure ces atrocités, ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité, le silence face à ces femmes, ces enfants et ces même petits-petits-enfants, malheureusement, qui perdent leur dignité et dont la vie est souvent brisée et inimaginable et inacceptable. Par ce mémo, nous rappelons au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à une action urgente et concrète pour mettre fin à la guerre et à la violence qui détruisent malheureusement la vie des femmes et des enfants et qui renforcent les inégalités entre les hommes et les femmes. Au président, nous demandons ce qui suit, de mettre fin à la guerre qui malheureusement a déjà occasionné des déplacements massifs des populations dans notre propre pays, ainsi que de pertes en vies humaines. Nous lui demandons de mettre en place un couloir sécurisé dans la province du Nord Kivu afin de garantir la protection des civils, en particulier des femmes et des enfants, contre les violences et les abus perpétrés par des groupes armés, notamment le M23 et le RDF et beaucoup d'autres groupes armés actifs dans la région. Nous lui demandons de récupérer les différents territoires sous contrôle de M23 aujourd'hui et de restaurer l'autorité de l'État dans ces différents territoires occupés par le M23 et d'autres groupes. En fait, nous sommes ici pour un communiqué de presse et pour éclairer l'opinion publique pour tout ce qui se passe à l'est de la République de la RDC. Nous, en tant que femmes et filles, on a vu que d'autres femmes comme nous, d'autres filles comme nous, sont violées dans des cas de déplacés, les mamans sont là dans des conditions humaines. Et tout ça, on a trouvé que c'est à cause de la guerre que nous imposent les Rwandais et leurs partenaires comme la France et les États-Unis, et tous la communauté internationale qui soutient les Rwandais. Et nous sommes là en tant que femmes pour dire non à la complicité de la communauté internationale. Et nous sommes là pour interpeller à notre gouvernement de prendre ses responsabilités à main pour en finir avec cette guerre dont les femmes et les enfants sont victimes. En tant que femmes, nous demandons au président de la République de prendre ses responsabilités à main et pour mettre fin à cette guerre dont les femmes et les enfants sont victimes. Personnellement, moi je ne suis pas pour la diplomatie parce que depuis, ça fait au moins 10 ans que la RDC est agressée et la diplomatie n'a pas payé. Moi je souhaite que le président de la République puisse déclarer la guerre. Nous sommes là pour demander à notre président de cesser la guerre. On est fatigués. Nous les femmes, nous sommes fatigués. La guerre vraiment ici chez nous,
surtout à l'Est. Nous, là, on est fatigués vraiment. On tire, on viole. Et notre agresseur, c'est notre voisin ici. On le connaît, c'est Kagame. Nous demandons à notre président Félix Tshisekedi de déclarer la guerre, pas de négociation. Nous, on veut la guerre. On se bat pour Dibo et puis on termine parce qu'on est fatigué. Wanawake wa mama wa mji wa Goma tulikusanyika hapa kwa sababu tuna mahitaji. Tuna malalamiko mengi kwa ajili ya nchi yetu. Wamama wengi wanateseka ndani ya nchi hii. Watoto wanateseka, vijana wanateseka, wababa pia wanateseka. Sasa ndiyo maana tulikusanyika siku ya leo kuona kama tunaweza fikisha malalamiko yetu kwa wakuu viongozi wa nchi. Si kama raia, atulombe wakuu viongozi vitu mingi. Tunaomba tu amani, tunahitaji amani, juste la paix, amani tu. Kwa sababu tukikuwa na amani kila kitu kitaendeka. Tukikuwa na amani uchumi wa nchi utaendelea, tukikuwa na amani watoto watasoma, tukiwa na amani tutakula, tutalala kwa amani na salama. Sisi tunapenda tu amani. Sisi kama wamama wa Kongo, wamama wa Goma, tunaambia baba yetu Rais Félix Antoine Tshisekedi ya kwamba yeye ndiye kichwa na yeye ndiye anajua inchi gani iko upande wake na inchi gani haiko upande wake. Hakiona kuna inchi ambayo inamutatiza na iko ndani ya inchi ya Kongo, anaweza kuyatoa na ambatane na inchi ambayo inaweza kuwa ikimusaidia. Sema mama wa Masisi, tuko nazalia muhangare, hatuna nguo, hatujue vya kwenda kusepe na semu nenda kuvipimo, hatujue enda kukipimo. Sema mama wetu likimbia, tuko mungambi ya, Masisi, ya Lushagala tulitokea Masisi, hatuna manguo, hatuna chakula, na yenye mkono na vala walinisaidia nayo, hatujue kama tutafani, ni tunomba presida waza juu ya maisha yetu, julize kama ni bibi yako wala kama ni mamako mwenye abakiwe mkoru, bakiwe wanako niko naona bunduki niko yulu yake. Ulaliwe mtoto wako niko na kuona. Papa chichi tunaomba amani. Tunateseka siema mama mama kima kimbia siema Masisi. Tunakuwa mukambia Lushagala. Sia tufanya nini, hatuko wakongomani. Tumeme mama yetu wazi. Tunakosa kwa kuwena. Tunakosa tufanya nini. Mama iko na haki ya kuishi. Jiulize ubaki wa mbele ya wanako, wanako ni koko bunduki yulu. Mbele ya mtoto, ubaki we kabisa presida, unatuwazia nini? Tunakosa tufanye nini? Watoto wetu wasome, wataishi ya hatunakosa tufanye nini kwa tumasisi? Tulikuwa na lima, watoto wanasoma, tunavunjia karibu, tunatosha chakula karibu. Sasa mbatu nisha hangaika, baba presida unatuwazia nini? Unatuwazia nini? Tunakusanyika hapa kwa ajili ya amani, na mimi niko mmoja wa kimbizi, nilikimbia kutoka Busumba, niko mungambi ya Bulengo. Tunalomba amani, kwanza mie binafsi wanangu walimuyaka na niko naona. Baka mkatakata niko naona kwa macho wangu mbili. Mimi naishi munyumba muburende na watoto tano, mie peke. Shida, hakuna chakula, hakuna nini, hakuna mai, hakuna dawa. Chichi utusaidie, turudie kwetu. Tunalomba amani, mtusaidie siya wa mama, tunataseka sana. Mtusaidie siya wa mama, chichi mtusaidie, turudie kwetu. Wanangu walimukatakata niko naona siku jota kwa walimuzika. Tunalomba amani, mtusaidie, sinabingia kongea. Mtusaidie na amani, mtusaidie na amani. Aujourd'hui, nous sommes venus présenter un message que nous adressons au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, par rapport à toute la violence et la criminalité qu'il y a maintenant ici au Nord Kivu, en RDC, à cause de la guerre entre les M23 et le FRDC et d'autres groupes armés. Donc cette criminalité, malheureusement, qui fait qu'il y a beaucoup de déplacements massifs des populations venues des différents territoires qui sont occupés par le M23, notamment Rutshuru et Masisi,
qui vivent dans des camps, des déplacés, mais dans des conditions très difficiles. Dans les camps, ils n'ont pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Celles qui sont en train d'aller dans les parcs pour chercher à manger sont victimes des viols et d'autres formes de violences basées sur le genre. Donc on veut appeler le président de la République à agir parce que trop, c'est trop. Si c'est un peu ça la fin, il y a Eloko qui a proposé Kibino depuis le départ. Kibino wana ba mama baza indigné. Les victimes de viols, bango wana. Baye oyo bazo fonda na bakaya ba déplacer ndenge boyoki ke no bazo zo ya kolia te bazo zo ya komela te bazo zoa oyo esengeli bazo te yango tozo senga na baye bino bozo landa Congo Live Television de partout bozali bozali wapi toyebi bolanda kabiso bozala ka fidèle na biso boya oreskus ya batuana bazo zanga ba toilettes bazo zanga donc ba problème eza ebele plus ya 2000 personnes encore Babaki sama kilobi na bakaya ba déplacer dans les combats oyo etiki koleka da 2 jours oyo yango tozo benga bino ya motema ya bien okozala de partout zo zala biso tozo na est tozo observer makambo yo mazo salema oyo kiyo moko na video oyo etiki koyo kama wana keno ba mama yango bazo souffrir venez au rescousse de ces mamans venez à l'aide de ces mamans ozana liputa ozana elamba oza wapi Tinda yango pona ba mama oyo. Ozana 1 dollar, 10 dollars, n'importe quoi. Tinda yango esunga ba déplacer de guerre. Ça sera bon. Pe ekosala eloko oyo ya malonga. Je suis Youssoufou Kibingila David, ndenge na lobaki depuis le départ, journaliste d'investigation. Natikali joignable pona. Ba ye oyo balingi ba sunga biso, ba ye oyo balingi ba zwa ba information mingi koleka oyo bazwaka ata na plateau na biso. Totikali joignable au plus 243 9 93 46 71 93 et le jour oyo ya jour ya ba mama lelo le 8 mars na ba mama nyoso ya mokili me baye oyo ya Congo bango bazo participer ango te ndenge sengaki ba participer po baza na bitumba iso tous réunis pour dénoncer ce qui se passe à l'est de la République. Merci et excellente journée à vous tous.